Merci, tabarnak! Ben là, on mange un benon. Je fais pas un benon de s'il y a une calice d'animette. Il me reconnaissait pas en rentrant. Le si dans la sécurité de calice. Qui tu penses que je suis, Créjoël Joël Denis? Si elle est gigantée, calice! Non, tu tabarnak, tu vas me calmer, le calice. Non, mais est-ce que j'ai failli arriver en retard des estipons? Est-ce qu'ils sont pas brillants à Montréal de calice, hein? Ils ferment le pont, rock en tête les crises de soir. Qu'est-ce que ça fait, ça j'aime le pont Champlain? Maudit esti de calice! Mon Dieu, ça va me calmer, sacrament d'esti. Moi, je viens, tu mis le pont, hein, mais t'es fermé, tabarnak, jamais, Chris. Si, qu'est-ce qu'on t'a fait, tabarnak? Pont Champlain bloqué, pont Champlain bloqué, je sais, Chris, fait deux ans, je pognais sûr, Chris. Maudit, t'as vu ce qu'ils font, ce pont Champlain cette année? Il a peinture, esti! Hé, hey, gagne des pets de calice! C'est pas la couleur, le problème, c'est la largeur, esti! Non, mais Chris, qu'ils mettent à étage, en mettent 50, des estis de pont, ils sont pas brillants, les calices. C'est Montréal, hein? Ils ont un tunnel, les palais de la Fontaine, dis-vous bien. Ils ont un tunnel, qu'est-ce qu'ils ont au-dessus de le fleuve? Hé, hey, gang de cons! T'as un fleuve, t'as un tunnel. Chris, moi, le fleuve dans le tunnel, tabarnak! Hein? Mettez-nous de l'asphalte sur le fleuve, on va descendre en Estie à Québec, m'a dit, moi, Chris. Comme je dirais, l'eau, elle s'en calisse dans les ventes à Québec, elle, Chris. Non, il y a plus loin de rouler sa route. La 10, la 15, la 20, la 40, la 12, les whippets, les frisettes, les assis dont t'as rue, gros, la gauche, à 70. Torsez-vous, tabarnak! Les vieux calices, hein? Plus ils sont vieux, plus j'en ai gros, aussi. Tout ce que tu vois, c'est un assis chapeau, deux bras qui dépassent. Et on le coupe jamais bien raide, c'ti. J'ai rien contre les vieux calices, OK? Sinon, s'il les mangeait, c'est peppermint, tabarnak. Comme la santé de la fille qui m'énerve, toute m'énerve. J'étais curé d'économiser, Chris. Les compagnies de téléphone, ça coûte plus rien par le téléphone, tabarnak. Je peux pas dire à ma mère, maman, faut que je te laisse, ça coûte trop cher, ça coûte rien, Chris. Ça dit, on va se rappeler demain, ça coûte rien. En passant comme les téléphones, je m'en calais, ça va être, ça coûte 10 cents de minute parler à quelqu'un à Vancouver. Je connais personne à Vancouver, Chris! Terrible. Ma blonde, elle s'est dit, coupon. Je dis, non, 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 pendant 20 minutes dans la caisse, sauver 10 cents sur une canne de vin à cause de ces petits coupons. Dernière fois, je t'ai acheté des vins. Combien des vins? 1,80, v'là 20 piastres. Puis le corps des échanges, faut d'aller dans le cul, Chris. Non, mais les caissières, c'est des belles épaisses pareilles, n'est-ce pas? T'es là, t'attends en ligne et ton panier, il y a deux connes en avant, hein? Une a des cocombes des mains qui parlent de l'autre épaisse, qui pète des rouleaux de 30 sous. Ils pètent au haut des estis de l'autre 30 sous, ils n'ont jamais de corps des échanges. Qui rentre une élève du bonheur le matin, ça prend du crédit d'échange, yes! Oh, madame, madame, il y a un dépanneur, ça même si tu as fait un dépanneur, calice. T'achètes un pain, tu crées ça sur le comptoir, pour la chose que ta fille t'a dit, et une mini avec ça! Hey, j'avais un moulu de mini, j'aurais demandé de l'arnaque. Si je prends une mini, tu vas te dire, un pain avec ça! Les estitifs travaillent chez Yellow, hein? Voulez-vous des chiots? Mais tabarnak, je sors, moi, pas de tabarnak, on s'en est. Tu rentres là, voulez-vous des chiots d'escalade, de vélo, la montagne, des chiots pour marcher dans notre corps, calice? Des chiots pour fourrer dans notre jus, m'en prend deux caisses, mon caisse. Puis avant que tu me le demandes, ton esti de pouiche-pouiche de ta note protecteur pour le cuir, là, faut t'aller dans le cul, caisse. Hein? Ils collissent les jouets à côté de la caisse à hauteur de la face des enfants. Là, tu peux pas le dire, non, on va avoir un goujoir dans tout le monde. Je t'en ai aussi, ça me coûte 200 pièces de jouets pour acheter une caisse de canduelle, moi. Surtout des tas de Pokémon de Chris. Non, mais c'est vrai, tabarnak. Mon hostie voisin, ça, c'est un épais. Mon voisin, à chaque fois qu'il pose une question, ça collisse la question, c'est la réponse. Tu sais, on est dans la cour des ouvriers, il y a une grue, une piscine désert et un trou. On descend ça tranquillement. Il vient me voir. Tu t'installes une piscine? Non, je l'enterre, Jésus-Christ. Une par année, mais ça va pousser, tabarnak! Imagine un journeux, t'as acheté un journeux? Non, je l'ai volé, celui-là! Tabarnak! Les guichets automatiques, les estis de guichets automatiques, hein? Quand tu trompes ton foie de nip et bouffe ta crise de carte! Quand ça t'arrive le vendredi soir, t'es tout nu jusqu'au lundi matin, esti! Et la dernière fois qu'elle m'a bouffé ma carte, t'as vu des cartes d'accord, t'as mis le conduire en justement, je range ma maladie, t'es en bas, t'as l'air de ma carte! McDonald's! Gagne des paix en jaune-orange de Chris, hein? M comme marde!
veuillez passer au deuxième guichet. Il n'y a jamais personne au premier tabarnak de guichet. Si c'est nous qui avons vivant dans le premier guichet que je passe regarder ma garde quelqu'un qui me regarde au lieu de se boire de notre trou dehors, on n'entend rien, Chris. Faut que quand il y a un épais dans le char qui demande un filet de poisson, ça, c'est le tout, t'as payé pendant 20 minutes dans le char, gosse, de ton esti de filet de poisson. Tu peux pas manger des bimbas comme tout le monde, de Galice. Il y en a 50 qui marchent sur le comptoir qui attendent d'être bouffés, esti. Oh, est-ce que moi, je rentre plus dedans à McDonald's? Parce que je rentre dedans à McDonald's, aussitôt, tu connais son cabaret sur la table, il arrive au testi de moron, ça sent vraiment de mort d'être passé entre les gens. Coudon, fais-tu partie du trio, de Galice? Chris, moi, pète ta mop, va aider la caissière épaisse, puis en passant ta crise de mop. Michel Ballon!